Yo, what's up les gamers, j'espère que vous allez bien. Sound muted. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Netcraft avec mon chien qui aboie. Ferme ta gueule, esti de cave! Et puis voilà, je lui ai dit de te taire. Je pense qu'il va falloir que j'aille lui fermer sa gueule plus fort. Enfin bon. Aujourd'hui, on se retrouve pour créer un mob spawner, les amis, parce que beaucoup d'entre vous me demandaient comment faire un bon mob spawner, etc. Bref, j'ai pas vraiment la technique, je vais juste vous montrer dans le fond une technique que moi je connais, qui est assez facile, disons, parce que tu sais, c'est juste du minage là, du truc et puis vous posez vos spawners. So, j'ai décidé d'en faire une à 6 spawners, parce que c'est ce que j'ai sur Netcraft, 6 spawners. So, en gros, vous laissez 1, 2, 3, 4, voilà. Normalement, vous avez, si je me trompe pas, 1, 2, 3. 3 trucs de chaque côté et 4 entre chaque. So, là, on en a 4. Là, on en a exactement 1, 2, 3. Ah, ouais, c'est vrai. T'as raison. 1, 2, 3, 4. Bon, bref. On va le mettre de même parce que c'est pas égal, mais on s'en fout un peu. Mais en gros, vous mettez des spawners comme vous le souhaitez. Normalement, ça doit être égal, mais là, j'ai pas envie de refaire la salle. So, en gros, on va juste les mettre vis-à-vis. So, on va faire 1, 2, 3. What? Tac. Je crois que je les ai mis à cette hauteur-là, non? Yep. Ils sont droits. Ensuite, on va faire 1, 2, 3, 4. On enlève les 3 du milieu. 1, 2, 3, 4. On enlève les 3 du milieu. Et voilà. On en remet une là. Et voilà. So, en gros, ça donne ça. I guess. Peut-être qu'on pourrait tasser celui-là. Ouais, comme ça. Puis coller celui-là. Regardez, on va refaire une ligne, puis on va toutes les mettre égales. Grâce à la ligne. Vous allez voir. Ça, c'est une bonne idée. Fait qu'en gros, ouais, c'est très simple. Dans le fond, les amis, vous creusez, creusez. Vous creusez un truc un peu comme j'ai fait là. Si vous avez pas compris c'est combien par combien, ben ça dérange pas vraiment. Vous posez une source d'eau, vous voyez où est-ce qu'elle arrête, comme là, elle arrête là. Comme ça, ben on sera pas obligé de mettre des panneaux. Moi, je trouve que c'est mieux. Après, il y en a qui diront que c'est pas très bien de faire ça. Moi, je trouve que si, mais bon. Fait qu'attendez, je vais juste faire égal de chaque côté. Hop là. So, j'ai cassé deux blocs là, je vais casser deux blocs là. On va mettre un spawner, on va casser deux blocs. Mettre un spawner, hop là, je voulais pas casser ça. So, le spawner va être là, on casse deux blocs. On casse deux autres blocs. Comme ça, comme ça. Fait que normalement, hop là, on devrait avoir nos spawners qui donnent ça. Exactement. Yep, yep, yep. On va faire la même chose de l'autre côté. C'est une de ligne de plus bas, les amis. Je me suis trompé. Enfin, bon, je vais pas m'éterniser là-dessus. Je vais juste vite fait vous expliquer comment mettre les spawners, comment les faire, etc. Puis ensuite, on va aller juste creuser une petite salle en bas pour pouvoir les taper plus facilement. Rien de si compliqué, les amis. C'est très, très, très simple à faire. Ça vous prend aucune ressource, ça prend aucune redstone, rien. C'est vraiment très simple à faire. So, on casse les deux de chaque côté. On en laisse un, on casse deux, on en laisse un. Comme c'est, comme j'avais fait de l'autre côté. On en casse deux, on en laisse un, on en casse deux, on en casse deux, on en casse deux. Et puis voilà. Et on va casser celui-là. Parce que bat les couilles. Et normalement, ça devrait donner. Ah, oh, puis on s'en calisse. Qu'est-ce que ça donne, esti? Ils sont encore tous décalés de 1. Ouais, ouais, ouais. Bref, c'est pas grave, on va faire ça de même. Fait qu'en gros, maintenant, il suffit juste de descendre. M'as-tu écrit un message? Non. Il suffit juste de descendre. Let's go. De quelque peu. Pour que les zombies se cassent la gueule, en fait. Puis quand les zombies se cassent la gueule, les amis, ben, qu'est-ce que ça donne? Ça fait que nous, ben, on a besoin de moins de coups avant de les casser. Par exemple, faut pas les descendre trop bas parce qu'on on fera plus AFK les spawners. So, je vais les faire descendre jusqu'à cette hauteur-ci pour pouvoir leur donner le... attends, non. Oh, non, attendez, deux de plus, comme ça. Comme ça, ouais, ça risque d'être pas pire. Partir d'ici. Et les mob spawners pourront continuer de spawner pendant qu'on nous sommes dans la salle du dessous, où il y aura des coffres avec des trucs. Voilà, c'est pas un spawner automatique, les amis. Un spawner juste pour XP, se faire des niveaux.
etc. Puis un spawner qui est fait pour plusieurs. Parce qu'il y en a un qui va pouvoir être de ce côté-là, puis XP, puis l'autre de l'autre côté, puis pouvoir XP aussi. Vous allez voir pourquoi je dis ça, vous. Vous allez comprendre tout de suite après. Un instant. Voilà. Comme ça. Comme ça. Et puis, là, nos spawners, ils vont être juste au-dessus, en dessous. Soit en gros, qu'est-ce qu'il faut faire? On va juste faire ça. Environ comme ça, je dirais. Environ une salle de 3. On va faire que je vais faire ça, puis on se retrouve après. Et hop, les gars, on se reprend. So, je viens d'avoir, ben, dans le fond, de finir avec Anaïs le truc. Elle est en train de miner le truc de merde. Parce que, tu sais, bien entendu, je laisse faire la job de merde à Anaïs, vu que je suis pas vraiment un bon garçon. Mais c'est pas grave, ça arrive, je suis désolé. Mais je couche déjà mis. Enfin bon, c'est pas très grave. Fait que, dans le fond, je vais faire la plateforme où ce que les mobs vont tomber. Ensuite, qui auront terminé leur chute extrêmement difficile et qui mourront d'atroces souffrances. Ça va être ici, les copains et les copines. Et en dessous, bien entendu, je pense mettre des hoopers. Ben, je pensais mettre des hoopers, mais j'ai réalisé qu'au fond, ça servirait pas grand-chose. Comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Et là, on va aller casser le bloc qu'il y a là. On va le remplacer par ça. Voilà. Là, je viens de réaliser que ça servait un peu à rien. On allait devoir mettre des escaliers ici. Je vais m'occuper de faire des escaliers. Parce que je veux vraiment que ce soit à la bonne hauteur, les gars, inquiétez-vous pas. Parce que je veux que ce soit quand même assez pratique, quand même, qu'on puisse juste monter, farmer, et puis voilà. Voilà. On va faire un slash craft vite fait. On va crafter quelques escaliers. Tac, tac, tac. 40 escaliers. Puis ça donne qu'on est pile poil. C'est en plein ce que je voulais. So, on est ready, mes amis. Ensuite, on va faire peut-être le spawner un peu plus swag dans un autre épisode. Mais pour le commencement de ma série, les amis, j'ai pas vraiment de besoin de plus que ça. J'ai juste besoin de plus de deux trucs de plus. Tac, tac, tac. Voilà. Tac. Ah, tiens. Non, je vois pas le flame, mes amis. Sauf si quelqu'un trouve ce spawner-là, ça sert à rien de le péter. Faites juste prendre des spawners puis barrez-vous, en gros. Ça va être juste ça, en gros, voilà. Vous allez pouvoir XP dedans. Moi, ça me dérangera pas. Tant que vous pétez pas les spawners. Après, si vous pétez les spawners, ben, ça sera la guerre. Mais voilà. Yep, bidou bidou. Tac 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 tac. Voilà. Fait que je vais aller mettre les spawners. Fait que là, il faut se faire un accès au spawner. So, j'ai décidé de faire ça ici. Puis on va faire ça de cette façon. So, on va faire deux accès. Entrée là. What? Qu'est-ce qu'il y a là? Ah non, t'es pas sérieux.
Il y a un petit party ici, mon ami. Ok, so en gros, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce qu'on va être obligé de... Ah, attendez, attendez, attendez un instant. Oh shit, l'araignée de spider. Ah, je l'aime pas celle-là. Tac, 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 slash menu. Menu. Coffre secret. Tac, tac, tac. Un spider. So, on a un mob spawner de plus. Je savais même pas qu'il y avait un mob spawner là. Tabarnak. J'ai vraiment descendu en mode YOLO, bas les couilles pour faire ma base. Et puis, waouh. C'est cool. Ben, ok. Sauf qu'il faudra leur boucher parce que ça va être quand même difficile de faire une base par-dessus un spawner. Parce qu'ils vont toujours spawner dans le spawner. So, en gros, il faut juste du rebouchage. Ouais. Pas si compliqué que ça, les gars. Fait que je rebouche ça. Je vais chercher les spawners. Je vais essayer de voir s'il n'y a pas une commande ou rajouter, de faire demander qu'on rajoute la commande pour changer les spawners. Que le gars qui mine le spawner, ben, il puisse changer le spawner après. Parce que, tu sais, des spawners d'araignées, il y en a beaucoup. Là, faut juste pour pas que les mobs spawnent là. Parce que si les mobs spawnent, si on laisse un trou à côté, ça va rester un radius de spawn. Et puis ils vont pas spawner dans notre spawner, mais bien à côté de notre spawner. So, c'est pour ça qu'il faut faire ça. Faut boucher les blocs. Il y en a peut-être la plupart d'entre vous qui le savez, mais je préfère l'expliquer quand même au cas où il y en a qui le savent pas. Pour pas qu'il y en ait qui demandent pourquoi tu rebouches tout de suite avec la cobblestone, ça sert à rien. Ben oui, ça sert à quelque chose, les amis. Au contraire, ça sert pas à rien. Fait que là, ici, comme ça, jusque là, il faudra tout re-remplir pour pas qu'il y ait aucun spawn de mob legit, normal. Anaïs a compris. Voilà, voilà. Vous pouvez laisser un bloc parce que je pense que des mobs peuvent pas spawner dans un bloc. Je suis pas certain. Ouais, un bloc, il n'y a pas aucune chance de spawn dans un bloc. C'est plus en deux qui commence à avoir des... Ouais, c'est à deux. La grandeur d'un mob, quoi. On va faire ça comme ça. Comme ça, comme ça, comme ça. Attention, Anaïs. Je peux pas poster. Voilà. 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 Et voilà. Comme ça, ici, on aura un accès direct au spawner. On pourra jumper ici et mettre les spawners. So, je vais directement activer le premier spawner qui va être... je l'ai mis dans quoi? Dans mon under chest, voilà. So, je pourrais le mettre ici. Voilà. Et normalement, les spiders vont spawner et descendre en bas. Et puis, on pourra les taper. Si on fait spawner... Vous n'avez pas accès à la commande. Lol. On va juste voir si notre plan marche. Même s'ils veulent pas, ils tombent en bas. So, voilà, ça marche. Wouhou! So, on va faire la même chose de l'autre côté. Ou actuellement, on va faire plutôt ça. Regardez ça. Regardez bien ça. Tac tac, ah c'était là, ok, comme ça. C'était deux, hein? Right, voilà. Ah fuck, je mets des glacial touch, je suis calme. Menu, on va, oups. Tac, 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 voilà. Comme ça ici, on aura aussi le truc pour faire notre truc. Et en bas, on fera un escalier. On fera quelque chose. À l'autre escalier que j'avais dit que je ferais un escalier, on fera une autre chose qui sera qui servira à quelque chose d'autre. Comme ça. Et là, on va mettre un spawner ici. Comme ça. Comme ça. Voilà mes copains et mes copines. Le tour est joué. On est prête. Je vais chercher le spawner. F. Je vais juste quand même mettre cette ombre en bas.
Parce que j'ai pas encore 7 hommes en fait. Sauf si je serais mort, j'aurais eu l'air un peu con. So, E, 7 hommes, femme. E, F hommes, comme ça. Fait que voilà, les amis, je vais chercher les spawners. Et puis, je vais. Voilà. Il y a TP, il y a quelqu'un qui a une base. Oh, j'ai reçu un Snapchat de Chloé, le So Sweet, bande de PD. On va regarder ça maintenant. Attendez un instant. On va juste prendre les spawners en parlant que le Snapchat il charge. Qu'est-ce que tu calises, toi? Petite fif. Loot mob. Tac, 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 tac. Home farm. Pourquoi il charge à l'infini? C'est pas normal. Attends, je vais juste recharger. Ah ah! Voilà. Lil! Ça fait plaisir, merci mon pote. Hein. Je sais que tu dis ça juste parce que je t'ai recruté, mais bon, c'est pas grave. J'apprécie quand même. Tac, tac. On va mettre un spawner, c'est quoi ça? Spawner araignée. On va mettre ça un autre là. Ah, shit, j'en aurais besoin. Pour m'en aller tantôt. Imaginez, j'aurais oublié de descendre en mode YOLO. So, je vais voir si j'ai pas un autre spawner d'araignée. Mais j'aimerais pas juste mettre des araignées. Cave spider, spider zombie. So, on a un zombie, on a trois zombies, trois araignées. C'est ce qu'on va faire, ok? Oh non! Les salopes. Je pensais pas qu'elle allait spawn là. Oh les putes. Oh les salopes. Oh sa mère la pute. What the fuck, sa mère la pute. Oh man, j'ai fait une fucking connerie là. Oh mais fuck! Je vais être coincé là à combien de temps? Mais tabarnak! Oh si, je vais pas accepter ça là. Ça va pas le faire. Attends. Oh, fuck you, toi, esti. Ferme ta gueule. Ça, les araignées se pendent pas au-dessus. Voilà. Tabarnak. Ça peut frapper à 3 millions de blocs, ça. Ah ben, calice. Genre, les araignées peuvent monter ces murs comme ça. Si c'est des wannabes, comme ça. Puis là, on va faire un chemin comme ça. Puis on va partir de l'autre bout pour pas que les zombies spawnent sur nous. Comme ces fils de pute l'ont fait. Oups. So, en gros, on va mettre un spawner à zombie là. On va le casser. On va mettre deux blocs au-dessus. On va s'amener ici, ici, ici. Là, il est ici. Oh non! Oh fuck. Puis le dernier qui est sur le bord ici. Comme ça, les amis. Voilà. Monster spawner zombie. Voilà. Et voilà. So, on a fait ce qu'on avait à faire. Voilà. Par exemple, cette salle-là est pas mal trop proche pour les zombies. So, maintenant, on n'a plus besoin de ces salles-là. Tac, tac, tac. Tac, 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 tac. So, on rebouche ça. Même chose pour les araignées. Plus besoin de ça. Tac, 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 tac. En gros, on aura juste besoin de savoir que c'est là qu'ils vont. So, voilà. Si quelqu'un veut monter, c'est par là. Et il suivra les blocs de cobblestone. Comment les araignées ont pu se faufiler? What? Comment ils peuvent se faufiler, les araignées?
n'y a aucun moyen de se faufiler normalement. Là. Là, ils peuvent nous taper, ça c'est normal, mais bon, c'est des araignées. Ah, ça explose assez vite quand même. Ça fait max de thunes. Puis les îlots d'items, bah, on s'en fout un peu, c'est des araignées. À part les patates comme ça, peut-être qu'on pourra peut-être poser des seaux d'eau pour aller chercher. Mais normalement, ouais, c'est correct. Ça va, ça passe. What the fuck, y'a un squelette qui a spawné. So voilà les amis, c'est pas mal tout pour cet épisode là, j'espère que l'épisode vous a fait plaisir. Si l'épisode vous a fait plaisir, laissez pour un pouce bleu, ça me ferait méga plaisir à moi. Et puis on va se retrouver très bientôt dans un autre petit épisode pour en le fond, pour parler d'autres choses. Et puis voilà les amis, j'espère juste que ça va vous faire plaisir, j'espère que vous êtes impatients. Bisous bisous!